Bonjour à tous et bienvenue dans le futur. Merci de nous avoir rejoints pour le lancement de cette 8e édition de Futur 100, l'édition 2022 que nous allons vous présenter ce matin. J'ai le plaisir d'être accompagné de Bénédicte Hibert. Bonjour Bénédicte. Bonjour Virgile. Bénédicte, donc, qui est senior strategic planner chez Google. Et nous serons rejoints à l'issue de cette première présentation par Rita Pestana, qui est Chief Brand Marketing Officer de Danone France, et Stéphanie Gignès, qui est directrice marketing et e-commerce de Pierre et Vacances. Alors, cette 8e édition, nous avons le plaisir aujourd'hui de la présenter en partenariat avec Google. Et chacune des tendances qu'on va explorer, on ira la vérifier, la valider sur le terrain, sur YouTube, sur Google Trends avec Bénédicte. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Futur 100, Futur 100, c'est un outil de Wunderman Thompson qui incarne notre mission, qui est d'inspirer la croissance des marques, les inspirer en les connectant aux tendances, en les connectant à la culture, en les connectant aux consommateurs. Et dans ce rapport, vous retrouverez 100 tendances réparties dans 10 catégories, la culture, les marques et le marketing, la santé, le travail, le luxe, la distribution, l'alimentation, la beauté, et j'en passe. Mais ce matin, on ne va pas les parcourir les 100. Hein, on va se concentrer sur quatre macro-thèmes qui nous semblent intéressants de connaître pour construire cette année, des innovations de produits, de services qui soient pertinentes et qui rencontrent du succès. Alors, ces quatre thèmes, vous les voyez à l'écran. Et le premier, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on l'a appelé Exploring Virtualities, donc l'exploration des mondes virtuels. Depuis la fin d'année dernière, ces mondes virtuels, tout le monde en parle, hein, tout le monde lance des initiatives, tout le monde se pose des questions. Ce qui nous a, nous, marqué, c'est à l'intérieur de ces espaces qu'on qualifie de métavers, c'est bien l'ambition pour certains de créer des métasociétés. C'est des mondes qui répliquent ce que l'on fait, nous, dans la vie de tous les jours, mais en les rendant plus positifs, plus responsables, plus solidaires ou inclusifs. C'est une tendance qui est intéressante puisque l'été dernier, quand on interrogeait les consommateurs, 88% d'entre eux nous disaient que pour eux, la technologie avait le pouvoir de rendre le monde meilleur, et pour 78% même plus juste, plus inclusive. Donc il y a cette attente des consommateurs, et on voit des initiatives comme EMYOU ou Nowhere, que vous retrouverez dans le rapport, bah, qui apportent, voilà, des réponses plus juste au développement des mondes virtuels. Ces mondes virtuels, c'est aussi des opportunités pour les marques, hein, et la tendance Virtual Branded World vous le démontrera. Est-ce que c'est le futur de la publicité? C'est peut-être pas ce matin, donc le moment pour y répondre de manière aussi tranchée que ce qu'on pourrait espérer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un moyen de toucher des nouvelles audiences, de toucher des nouvelles générations. À l'intérieur du rapport, vous découvrirez comment, à travers Roblox et ses 46 millions d'utilisateurs quotidiens, des marques comme Nike, des marques comme Vans ou des marques comme Ralph Lauren créent des expériences de divertissement et des expériences d'e-commerce aussi pour connecter avec cette nouvelle génération de consommateurs. Et puis enfin, qui dit monde virtuel dit aussi économie des biens virtuels, et une tendance à côté de laquelle il ne faut pas passer est celle des places de marché NFT qui se développent à vitesse grand V pour commercialiser aujourd'hui des œuvres d'art, mais aussi des baskets, des looks ou des vêtements virtuels que vous pouvez acheter et qui sont rendu unique et authentique à travers donc les principes de NFT et les inscriptions de ces produits dans la blockchain. Que ce soit chez Sotheby's, hein, pour la partie artistique, chez Coinbase ou OpenSea pour de manière plus large des œuvres artistiques bien sûr, mais aussi des biens et des services, eh bien, on voit ces places de marché se développer et c'est évidemment quelque chose à observer afin de se poser la question, bah, pour ma marque, est-ce qu'il y a potentiellement une nouvelle source de revenus à l'intérieur de ces places de marché NFT.
Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que nous, sur YouTube, ça fait des années maintenant qu'on a un pied dans le virtuel. En témoigne l'affection qu'ont les gamers et les gamers pour la plateforme. Hein. Vous avez ici une vidéo qui a été publiée en 2010 sur le jeu vidéo Minecraft. Donc, ça fait un moment. Et ce qui est intéressant, parce que remonter le temps, ça ne nous rajeunit pas forcément. Et ce qui est intéressant surtout, c'est la progression de ce type de contenu, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons fêté en 2021 le trillion de vues sur Minecraft. Donc, c'est absolument faramineux et incroyable. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Minecraft, c'est un univers virtuel complètement ouvert. Vous allez pouvoir créer votre monde vous-même. Et il y a d'ailleurs des sortes de mini Minecraft, pour simplifier, qui se créent, dont Dream SMP, qui en est un. Et donc, vous allez pouvoir suivre les aventures de l'ensemble de ses protagonistes, comme on suivrait une émission de télé-réalité, et à tel point qu'eh bien, entre mai 2020 et 2021, eh bien, il y a eu 2 milliards de vues sur les vidéos estampillées Dream SMP. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous conseille peut-être de jeter un œil. Et puis, bien sûr, la plateforme, eh bien, elle a entretenu cette porosité entre le réel et le virtuel, puisque en 2016, on a vu l'apparition des VTubers, donc les virtual YouTubers. Donc le principe est assez simple, on va se mettre une combinaison, on va se digitaliser, on va s'avatariser, on va se transformer comme ce personnage que vous voyez à l'écran qui s'appelle Channel AI. C'est la première VTubeuse, elle est japonaise, c'est pour ça qu'elle a un visage un peu de manga. Mais aujourd'hui, on a ce phénomène de VTuber qui s'est exporté au-delà des frontières du Japon, puisqu'on a Code Miko, par exemple, aux États-Unis, qui a récolté en 2 ans 26 millions de vues. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et puis, vous avez la star des YouTubers PewDiePie, qui a lui aussi décidé de créer son propre avatar et donc d'apparaître vraiment en tant que VTuber aussi, même si, pour le coup, on connaît son vrai visage. Donc, je ne sais pas si toi, Virgile, tu as envie de te lancer dans le YouTube game, mais n'hésite pas, tu peux aussi te transformer en ce que tu veux. Et ça peut être marrant. Mais j'espère en tout cas pouvoir revendiquer bientôt un trillion de vues. Je ne savais même pas qu'on pouvait compter jusque-là. Alors, deuxième grande tendance, macro-tendance, le futur de la santé. La santé, ça fait 2 ans qu'elle est au cœur de toutes les préoccupations. Hein, on s'est posé la question, la science va-t-elle sauver le monde aujourd'hui? Je pense qu'on a la réponse. Et du coup, la santé, on va la retrouver à travers un certain nombre de catégories, comme ça, de manière transversale, à commencer par l'alimentation. Une des tendances qui nous a le plus intéressé, c'est ce qu'on appelle les Blue Zone Diet, donc ces régimes qui font référence à ces zones bleues. Alors, les zones bleues, c'est Icaria en Grèce, c'est Okinawa au Japon, qui sont ces zones dans lesquelles les gens sont en meilleure santé, vivent plus longtemps que les autres sur la planète. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des marques commencent à rebondir sur ce phénomène, comme Bouchebès par exemple, en créant des gammes dédiées à ces régimes alimentaires des zones bleues, avec cette ambition de les démocratiser, hein, d'offrir au plus grand nombre ces modes de vie plus sains et qui vous permettent de vous sentir mieux. Autre grande tendance, Liquid Immunity. Pour 6 consommateurs sur 10, cette manière d'augmenter son immunité a déjà été testée, hein, cette manière qui est de boire ou de manger des produits avec des promesses d'augmenter vos défenses immunitaires. Des projets intéressants, comme celui de Beatsys, par exemple, qui est une boisson pour enfants enrichie en vitamine C et en zinc, ou B1U, qui a une gamme entière de boissons positionnées sur le bien-être, et dont une référence qui s'appelle I Need Immunity, qui répond à cette tendance. Et enfin, dernière tendance qu'on trouve, nous, très intéressante, qui rebondit là aussi sur un phénomène subi, qui se situe dans la catégorie tourisme, et qui sont les spas de guérison du Covid longue durée. Vous savez qu'il y a certaines formes donc, du Covid qui durent plus longtemps que d'autres. Et bien, à Raqsa, à Bangkok, à Lanseroff, dans les Alpes autrichiennes, on a des hôtels spas hôpitaux, je ne sais pas comment, hôpitaux, je ne sais pas comment ils les appellent, qui proposent de l'hébergement associé à des prestations médicales pour accueillir ces gens qui ont des formes donc, de Covid long.
Oui, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on vit avec la science au cœur de nos préoccupations, la santé notamment, les médecins aussi qu'on voit un peu partout partager leur point de vue. Alors bien sûr, ils le partagent aussi sur YouTube, dans leurs beaux costumes, mais sur YouTube, on aime aussi particulièrement apporter de la proximité et de l'authenticité. C'est pour ça qu'on va avoir à la fois des figures très formelles, mais on va aussi avoir des figures plus marrante, on va dire, comme le docteur Mike que vous voyez à l'écran, qui a 8 millions d'abonnés, qui a dépassé le milliard de vues et qui va partager ses impressions sur l'actualité ou alors commenter un film tout simplement Netflix qu'il a vu sur la santé et commenter les incohérences. Il n'y a pas que lui, hein, c'est-à-dire que lui, c'est un peu la figure emblématique, mais il y a aussi les étudiants en médecine, tout simplement, qui vont partager leur façon d'apprendre, ce qu'ils ont appris, partager des conseils, pas seulement pour ceux qui font médecine, mais aussi pour le quidam, qui se sent peut-être plus en proximité avec des gens qui ont potentiellement son âge. Alors, sur YouTube aussi, ce qu'on aime bien faire, c'est pousser les choses un petit peu plus loin. Et je ne sais pas si tu connais cette tendance, Virgile, Pas mais du tout, je découvre. ce sont les contenus qui eux-mêmes promettent, ont une promesse de guérison. On va vraiment incruster dans le contenu cette promesse, puisqu'ils sont avec une fréquence sonore particulière. Et donc, vous allez retrouver des 436 Hz, des 732 Hz, et vous allez pouvoir soit guérir votre mental, manifester des miracles, purifier votre maison. Donc, plein de belles promesses pour ces contenus. C'est extrêmement populaire quand on regarde les tendances de requêtes autour de cette thématique. Et bien, par exemple, on a doublé le volume de requêtes entre avril 2019 et avril 2020. Donc, je sais que nous sommes mardi, mais si lundi prochain vous avez un peu de mal à démarrer votre semaine, n'hésitez pas à vous faire quelques contenus de purification de votre intérieur et de votre to-do list, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée pour bien démarrer. Très intéressant. Troisième grande tendance, l'émergence de la génération Z et les initiatives qui lui sont associées. Les initiatives des marques, les initiatives des entreprises aussi. Ce qui nous a tous particulièrement marqué, et je pense que ça a été évidemment validé par les requêtes sur Google, c'est la déferlante K-Wave. Donc c'est cette vague de contenu, de produits coréens qui a conquis la planète entière sur les 2 dernières années. Un chiffre, par exemple, en musique, 14 des 20 chansons qui ont été en trending topic sur Twitter en 2021 sont des chansons de K-pop. Tu peux en chanter Non, pas du tout. Mais je m'entraînerai. C'est aussi la déferlante des contenus de K-drama. Les films comme Parasite, la série Squid Game, évidemment, ou Hellbound, qui a même dépassé le succès de Squid Game sur Netflix. Et au-delà de ça, c'est de la culture, mais c'est aussi des produits de beauté, c'est des produits alimentaires. Ça représente la K-Wave 6 000 milliards de dollars, donc à l'échelle de l'économie mondiale. Et c'est particulièrement apprécié par la Gen Z. Je parlais des marques, je parlais des institutions et des entreprises aussi, pour qui ce sujet de la Gen Z, il est extrêmement important d'un point de vue marque employeur. On voit les initiatives qui se multiplient ou les prises de position, les annonces, comme LVMH par exemple, qui a annoncé recruter 25 000 collaborateurs de moins de 30 ans sur l'année 2022. Et donc en face de ça, vous découvrirez dans Futur 100 un certain nombre de méthodes ou de manières d'accompagner la carrière de ces nouvelles générations qui permettent de les attirer et de répondre à des attentes qui sont très particulières et puis de construire aussi sur le long terme avec elles donc des parcours professionnels. Et pour terminer, monde virtuel, nouvelle forme de possession, une tendance qui est très intéressante, c'est celle des crypto-élites et qui est particulièrement admirée et sollicitée par la génération Z. C'est cette nouvelle classe d'élite qui se distingue à travers ses possessions virtuelles,
Donc les NFT dont on parlait tout à l'heure, dans la première catégorie de tendance, que ce soit des Bored Ape, que ce soit des CryptoPunk, on voit donc un engouement pour ces œuvres numériques qui se vendent désormais en dizaines, centaines, milliers de dollars, qui sont achetées au-delà de la Gen Z par Mike Tyson ou Serena Williams, ou même Visa qui a fait l'acquisition de CryptoPunk l'année dernière pour à peu près 150 000 dollars américains. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment la possession de biens virtuels vient créer une nouvelle classe d'élite, qui était ceux qui possédaient des Lamborghini ou des Rolex hier. Alors, si vous voulez faire partie de cette nouvelle élite des Gen Z qui n'ont plus que des possessions virtuelles, je pense avoir ce qu'il vous faut, puisque sur YouTube, on a ce qu'on appelle les crypto-influenceurs qui ont émergé ces derniers mois et qui vont vous prodiguer les meilleurs conseils, en tout cas, on l'espère, à vous de voir, vous me direz, en termes d'investissement dans les crypto-monnaies, les NFT, pour tout comprendre, à la blockchain. Donc, n'hésitez pas à prendre des cours avec eux si vous voulez peut-être devenir millionnaire ou milliardaire, vous nous direz. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que les YouTubeurs ne vont pas se contenter de donner des conseils d'investissement en crypto, mais ils vont aussi se lancer dans le « game » entre guillemets des cryptos, puisqu'ils vont créer eux-mêmes leurs NFT. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'a fait Jeffree Star. Alors, on aime ou on n'aime pas, l'esthétique est assez particulière, mais en tout cas, ils se lancent et c'est vrai qu'ils vont eux-mêmes pénétrer ce marché des NFT et des possessions virtuelles, donc affaires à suivre. Et puis pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le pécule nécessaire pour investir dans les cryptos, parce que ça a quand même un coût, j'ai une bonne nouvelle. Si jamais vous avez grandi dans les années 90 et que vous avez joué aux cartes Pokémon, je ne sais pas si c'est ton cas, Virgile, eh bien cherche dans tes tiroirs s'il y a des cartes Pokémon qui traînent, parce que ça s'échange pour des milliers d'euros. En tout cas, on a un énorme engouement sur la plateforme autour de ce sujet, puisqu'on a eu 1,5 milliard de vues sur le Pokémon Trading Cards en 2020. Donc voilà, vous aurez toutes les astuces pour échanger et puis peut-être prendre votre retraite, on ne sait pas, on vous le souhaite dès maintenant. Eh bien, pour avoir une transition du coup optimiste sur notre dernière macro-tendance appelée les futurs optimistes, cette année, c'est vraiment l'année du retour à l'optimisme. On a l'impression que c'est le mot qui va remplacer la résilience dont on a beaucoup, ou dont on a trop même parlé pendant les années précédentes. Ça se traduit à travers les couleurs de l'année. Chez Pantone, chez Dulux, on a des teintes qui sont beaucoup plus joyeuses, optimistes, gaies cette année. Puis ça se traduit aussi à travers un certain nombre d'initiatives, comme ce que vous voyez à l'écran, qui est l'Avril des rêves, donc une collaboration entre un artiste qui s'appelle Yinka Ilori et la marque Lego. Et cette envie d'optimisme, les marques s'engouffrent dedans et se présentent aussi sous leur meilleur jour pour balayer, ou en tout cas laisser de côté les discours plus pessimistes. C'est notamment la tendance des marques régénératives. On observe non plus de la part des marques mais une tentative de limiter leur impact sur la planète, mais bien d'avoir de la génération d'un impact positif. Et c'est derrière cet impact positif qu'on retrouve la notion de régénération, dont s'emparent aujourd'hui Walmart, Ralph Lauren, Danone, General Mills. Vous découvrirez toutes ces initiatives dans le rapport Futur 100 2022. Au-delà des initiatives qui ont trait à la production ou à la manufacture, cet optimisme, il se traduit aussi en publicité, ce qui nous intéresse particulièrement ce matin, à travers cette notion des publicités qu'on a appelées euphoriques et qui répondent aux besoins de joie, de gaieté des consommateurs, avec des campagnes comme la campagne de Gap avec Katy Perry, All You Need Is Love ou Feel Better de Lexus. Et nous, on est convaincus qu'on va voir se multiplier comme ça les prises de parole, les campagnes qui donnent envie d'un futur joyeux qui célèbre le vivre ensemble.
Effectivement, hein, Virgile, je pense que ce qui est intéressant aussi à retenir dans ce que tu dis, c'est qu'on a besoin que les marques nous transmettent de l'optimisme, mais on a aussi besoin qu'elles soient généreuses avec nous, qu'il y ait une dimension vraiment de care, de bienveillance. Et c'est en tout cas, nous, ce qu'on voit beaucoup émerger sur la plateforme, des contenus qui vont incarner ce qu'on appelle des random acts of kindness, des actes de générosité pure, de bienveillance pure, qui n'attendent rien en retour. Et ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on fait de la commercialité tout en étant dans la générosité et l'altruisme pur? Une bonne illustration de ça que je vous conseille de regarder, c'est le YouTuber Gurdip. Alors, il a fait 2 millions de vues sur sa chaîne déjà. Et qu'est-ce qu'elle fait, sa chaîne? Eh bien, il danse, tout simplement. Il fait du Bhangra. Alors, c'est très dynamique, c'est très énergisant. Donc, si jamais vous en avez besoin un lundi matin à venir, pareil, pour vous dynamiser, n'hésitez pas. Et ça illustre bien en fait cette notion-là. C'est-à-dire que cette personne, elle est au Canada, coincée dans la neige. Elle va juste apprendre à danser à ses voisins, nous communiquer sa joie de vivre. Et ça, ça fait tout simplement plaisir. Et on ressort de là dynamisé. Et on aurait bien envie, en tout cas, moi, j'aurais bien envie que les marques me proposent des types de contenus comme ça purement gratuits. Merci Bénédicte. Et je confirme, en effet, j'ai pu découvrir Gurdip. C'est assez jouissif. Tu vois ? Mais il y a autre chose qui me rend optimiste aussi sur la plateforme. Et là, j'ai envie de faire un cocorico, puisque c'est très français. Mais c'est vrai que ce qu'on a constaté dans les chiffres, c'est qu'il y a un véritable engouement des Français pour les contenus liés à l'environnement, puisque le temps passé sur ces contenus-là en France a augmenté 2 fois plus vite que dans le reste du monde entre 2019 et 2020. Donc, cocorico et bravo. Et puis surtout, on a des phénomènes qui sont, alors pas forcément que français, mais en tout cas assez bien ancrés dans le paysage français, comme les agritubeurs. J'espère que je ne vous les présente plus parce que c'est un phénomène qui a quelques années maintenant et qui prend de plus en plus d'ampleur. Agriculteurs, youtubeurs en même temps, qui nous partagent leur quotidien et qui montrent encore une fois notre amour bien français du terroir et de notre environnement. Merci Bénédicte. Je t'en prie. Merci à tous. On a ce matin, à travers donc, nos tendances issues du rapport Futur 100 et puis cette validation hein, par la donnée, le contenu, la consommation de contenu côté Google et YouTube, essayer de dessiner un peu hein, ce que sera 2022, des mondes virtuels, de la santé, l'émergence de cette nouvelle génération Z et enfin le besoin crucial d'optimisme qu'on a tous. Et pour voir la manière dont aujourd'hui tout ça se traduit dans le quotidien des marketeurs, je vais avoir le plaisir d'en discuter avec 2 directrices marketing qui dirigent aujourd'hui des marques iconiques et patrimoniales françaises que sont Danone et Pierre et Vacances. Alors pour prolonger cette découverte de Futur 100 et des tendances qui vont façonner 2022, j'ai la chance de recevoir Stéphanie Gignès. Bonjour Stéphanie. Bonjour Virgile. Stéphanie, vous êtes directrice marketing et e-commerce de Pierre et Vacances. C'est ça. Vous avez eu du coup la chance de découvrir le rapport. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette année ? C'est très riche. Moi, ce que je retiens, c'est finalement une espèce d'équilibre de tendance entre des tendances très tech et puis des aspects très sociétaux. On sent qu'il y a une recherche sans doute d'équilibre dans un monde qui a été très accéléré, très bouleversé par le Covid. Donc on voit des choses sur le besoin de se régénérer, la santé, mais en même temps beaucoup d'attentes sur les rencontres, les grands besoins de nature. Donc oui, enfin, ça rend l'avenir assez excitant entre ces deux mouvements qui ont l'air peut-être un peu contradictoires, mais qui font finalement le socle de ce sur quoi on travaille pour les années qui viennent. Et est-ce qu'il y a des tendances particulières du coup qui vous ont intéressé, peut-être par rapport à l'activité de Pierre et Vacances ou pas? J'ai envie de démarrer avec un sentiment global, c'est que j'aime beaucoup l'idée d'optimisme. Il y a des tendances là qui sortent sur l'optimisme, voilà, à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme dans les publicités. Et je trouve que ça, c'est un mouvement qui est chouette dans le monde post-Covid, de se dire que les marques ont un rôle à jouer, ou en tout cas ont à la fois un terrain de jeu et un rôle à jouer sur ce terrain de jeu pour ouvrir quelque chose d'assez joyeux et plutôt positif et léger. J'aime bien cette idée aussi de légèreté face à cette époque. Et je crois que vous m'avez parlé aussi d'une tendance sur les aventures.
Ouais, bah, y a la fameuse tendance micro-aventure, la tendance 21, j'ai retenu ça, que je trouve intéressante. Alors là aussi, ça vient dans une forme d'équilibre, puisque un peu plus loin, on voit qu'on a des tendances sur des attentes plus longues, en fait, de séjour dans des spas, dans des, en tout cas d'expériences plus dans le temps. Ce que je trouve intéressant en micro-aventure pour Pierre et Vacances, c'est que ça raconte un très fort besoin de se reconnecter, qui est complètement en phase avec la plateforme de marque de Pierre et Vacances, parce que nous, notre mission, c'est de créer les conditions optimales pour que nos clients puissent vraiment se mettre en relation avec la destination dans laquelle ils passent leurs vacances, à la fois de façon privilégiée en découvrant, mais aussi respectueuse avec tous les engagements RSE. Donc en fait, ce besoin qui peut être finalement de quelques jours ou plus long, mais enfin là, c'est un focus sur quelques jours. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre que voilà, la nature, ce que moi j'appelle le local, c'est la capacité à s'ancrer dans une destination, régénère les gens, les reconnecte avec eux-mêmes, les reconnecte avec leurs proches, avec leur environnement. Donc ça, c'est une tendance que je trouve extrêmement intéressante par rapport à ce que nous sommes. Et puis, évidemment, en corollaire également, le green mapping et aussi le, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la tendance qui parle du besoin que les marques vont avoir de donner plus de sens, de s'inscrire voilà, dans une forme d'exemplarité aussi, enfin, en tout cas de cohérence dans l'intégralité de leur démarche, ben, c'est aussi au cœur de notre travail en ce moment. Il y a beaucoup de choses hein, qui changent là, en ce moment chez Pierre et Vacances ou qui se réécrivent. Et donc, on a justement fait de l'empreinte carbone des vacanciers notre combat RSE, et sur lequel on est assez légitime puisque on est implanté en France sur des destinations de proximité. Donc, je retiens évidemment pour Pierre et Vacances ces deux-là, la micro-aventure et puis le besoin de sens et de responsabilité au sens vraiment littéral du terme sur les émissions. Non, c'est des tendances en effet qui sont très optimistes. Tout ça se rejoint. Ouais. Et Stéphanie, moi je voulais vous poser aussi une autre question. Dans un quotidien de directrice marketing, alors les tendances, comment est-ce qu'on les trouve, comment est-ce qu'on les analyse et comment est-ce qu'on les transforme en action? Alors les tendances, en tout cas, qu'est-ce que vont être les comportements clients et en quoi les... Nous, on construit des produits qui restent longtemps, quand même. On construit des bâtiments, donc c'est bien quand même de comprendre un peu à l'avance quelles sont les tendances. On fait beaucoup d'observations clients, on écoute beaucoup, on analyse beaucoup les verbatims de nos questionnaires, évidemment tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, hyper classique. On a aussi à cœur de faire beaucoup d'observations de concurrence, mais pas forcément de concurrence directe. Je dis souvent que nos clients, ils nous comparent à ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, ils comparent la facilité d'une livraison Amazon, le conseil beauté chez Sephora, justement la touche locale de leur décoration chez Maison du Monde. Enfin, bref, mais aussi, bien sûr, ce qu'ils vont vivre chez Airbnb ou dans un staycation pour des formats plus urbains. Donc, on essaye aussi de s'imprégner de ça, de faire beaucoup de safari, d'observation, d'expérimenter. Pour ressentir ce à quoi nos clients nous comparent. Bon, ça, c'est plutôt, je dirais, plus réactif ou court-termiste. Et après, sur le long terme, des études telles que Future Sens est super utile pour nous parce que je trouve que ça nous aide à nous mettre en éveil sur des signaux faibles. Par exemple, là, dans ce que je disais, volontairement, je ne retiens pas le voyage virtuel, la dématérialisation finalement assez forte des expériences parce que, voilà, je pense que notre combat, aujourd'hui, il est ailleurs. Pour autant, c'est sans doute des drivers pour la distribution aujourd'hui et demain, ce seront peut-être aussi des produits. Voilà. Et même les autres tendances, enfin, dans l'alimentaire, la beauté, les attentes. Par exemple, une des dernières tendances de l'étude, c'est le besoin en fait, de faire vivre à nos enfants des choses qui les sortent de leurs écrans et de leurs connexions. Dans le long terme, c'est hyper important pour des marques qui vivent, qui font des produits de tourisme, par exemple. Donc, merci Future Sens. Ouais, on a hâte de voir en effet comment cette pensée latérale arrive à inspirer les expériences Pierre et Vacances. Merci beaucoup Stéphanie pour ce témoignage. Merci de m'avoir invité. Merci pour ce super contenu. Merci. Nous avons maintenant le plaisir de prolonger cette discussion sur les tendances de 2022 avec Rita Pestana qui est
Chief Brands Marketing Officer de Danone en France et qui, ces tendances, les applique pour des marques iconiques, patrimoniales, que vous connaissez évidemment tous comme Activia, Actimel, Danone, Danette ou Evian. Alors, merci beaucoup, Rita, d'avoir accepté cette invitation. Vous avez découvert le rapport Futur 100. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Merci à toi, Virgile, pour cette invitation. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui avec toi. Je pense que le report il est super complet, il est vraiment inspirationnel. Il touche des grandes tendances, que ça passe dans le marché global, mais aussi dans le marché français. Il a trois tendances que je crois sont importantes et qu'on parlait plus avec moi et avec ce que je pense qu'on peut faire dans notre jour, journée normale. La première, c'est toute la partie de fonctionnelle, de les nourritures et des boissons fonctionnelles. Mm-hmm. Le concept de santé, après Covid, il a changé beaucoup. Ce n'est pas seulement une chose individuelle, c'est une chose qu'on prend soin de les autres aussi. Mm-hmm. Donc, de plus en plus, le consommateur cherche des solutions naturelles dans son nourriture. Qu'est-ce qu'il prend pour manger, qu'est-ce qu'il pour boire et que cette chose pour donner aussi des immunités et aider à protéger les consommateurs. Donc c'est un sujet vraiment proche de notre business, de Danone. Et c'est notre mission chez Danone aussi de travailler à côté des consommateurs pour donner des options qu'ils cherchent et qui sont bonnes pour la santé. Donc ça, c'est une tendance que j'ai regardée dans votre reporting et je pense que c'est vraiment important. La deuxième, c'est au niveau de positive communication, d'une communication positive. L'optimisme. C'est ça, de l'optimisme, parce qu'il y a beaucoup de sujets intenses aujourd'hui. Et les consommateurs cherchent quand ils étaient online, ils passent beaucoup de temps online, les cybernautiques. Donc, cherche des émotions positives aussi. Donc, il y a une grande majorité des consommateurs qui nous disent qu'après participer, être exposé à contenu de quelques réseaux sociaux, qu'ils sortent plus contents et qu'ils donnent beaucoup de bonne énergie. Donc, c'est les responsabilités des marques aussi de plus en plus de créer les contenus qu'il était adapté à les consommateurs. Je pense qu'on doit, c'est une obligation aussi des marques de commencer à construire des contenus que les consommateurs vont regarder, des contenus que pour faire de l'entertainment à les consommateurs. Donc je pense que c'est super intéressant. Aussi, de plus en plus, la partie sociale, digitale, nous donne la capacité d'identifier quel est le mood et les sentiments de chaque cybernaute, qu'il était de l'autre côté, et d'ajuster immédiatement la communication et qu'est-ce qu'on va parler avec cette consommateur. Et la troisième, c'est tous les sujets de le metaverse. Depuis de 2 ou 3 ans, il était super hype maintenant. Et je pense que de plus en plus, c'est les personnes disent qu'ils passent la grande majorité du temps avec les ordinateurs, qu'ils vivent dans le monde digital. Donc, c'est une opportunité, le métavers, je pense qu'il crée des opportunités. La première chose, c'est qu'il crée un environment, qu'il était un environment que nous avons les chances de cette fois de faire les choses bien, d'avoir un univers qu'il était diversifié, qu'il était politiquement correct, qu'il est fait à le mesurement de chaque consommateur et chaque utilisateur. Donc ça c'est une partie. Après, je pense que le metaverse, la partie qui c'est intéressant pour les marques aussi, c'est qu'il nous donne toute la possibilité de augmented reality, virtual reality. Et ça, tu peux imaginer que pour les marques, c'est un sujet super intéressant parce que ça répond, tu peux par exemple jouer avec ton jouet favori de tennis dans le même lieu. Ça, c'est indépendant où tu habites ou où il habite. Ou tu peux jouer avec ton joueur de football que tu adores. Parce que le metaverse, pour faire ça, il faut mettre les personnes ensemble
indépendants où elles sont géographiquement. Donc, je pense vraiment que les marques, ils ont des choses à faire, ils ont un travail de facilitateur, de créer des émotions et d'aider à la construction de comment on peut créer plus d'émotions à côté des consommateurs et d'expériences aussi. C'est extrêmement intéressant. On en parle dans le rapport avec la tendance des mondes virtuels de marques, des expériences qu'ont pu faire Nike, Vans ou Ralph Lauren à l'intérieur de Roblox. Et du coup, j'ai hâte de découvrir des expériences de marque Danone dans le métaverse. Au-delà de ces trois tendances, Rita, tu pilotes un certain nombre de grandes marques. Comment est-ce que tu t'informes, tu restes connecté avec les tendances et les transformes en actions, en propositions pour les consommateurs Danone? Donc, je pense que tout commence avec la curiosité et la créativité, non? Il y a aussi d'écouter les consommateurs. Qu'est-ce qui préoccupe les personnes? Qu'est-ce que les personnes adorent? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils achètent? Pourquoi ils achètent? Il restait vraiment part de la conversation et attentif à la conversation que ça passe chaque jour. Je pense que les marques, de plus en plus, c'est des marques vitales pour les consommateurs. Il doit être attentif à tous les signaux et anticiper aussi comment il peut faciliter la vie des consommateurs, comment il peut donner des bénéfices uniques à chaque consommateur. Et je pense que ça, c'est vraiment la manière comme on doit travailler le marketing d'aujourd'hui, le marketing de demain. C'est vraiment avoir des marques citoyennes. J'adore ce concept parce que je pense qu'une marque, elle était citoyenne, elle est plus responsable, elle est plus proche. Elle a une identité unique. Et je pense que les tendances, qu'est-ce qu'ils vont aider, c'est ils sont des alertes à les marques sur que les personnes parlent et qu'il était important qu'il va commencer, s'il n'est pas grand, mais qu'il va commencer à grandir dans les prochaines années. Donc, c'est une opportunité pour les équipes marketing de travailler avec les équipes créatives et de commencer les innovations, la création de contenu, de créer des choses que les consommateurs ont besoin. Et donc, je pense que c'est ça que je vais travailler avec mon équipe et que je trouve que c'est plus intéressant de le marketing d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Rita, d'être venue. Merci d'avoir témoigné et partagé ces tendances. C'était un plaisir, un honneur pour nous. À toi, Virginie. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette émission donc, de lancement de la 8e édition de Futur 100. En partenariat avec Google. Je tiens à remercier évidemment toutes celles qui sont intervenues à mes côtés pour témoigner de leur intérêt pour les tendances, de leur utilisation des tendances. Et je vous invite tous évidemment à télécharger le rapport donc Futur 100 qui est disponible gratuitement sur le site de Wunderman Thompson France. Et je vous retrouve autour évidemment d'un échange pour affiner, comprendre comment ces tendances peuvent enrichir vos plans d'action marketing ou l'année prochaine pour en découvrir 100 nouvelles. Merci à tous.